chers internautes, fidèles, téléspectateurs de l'émission centrale, très chers abonnés du www.kintasamakambo.com chez Yves Manoui, j'y vais trouver papa des bébés. C'est toujours l'international, autrement dit Mireille Kalala, cours de grand. Pour un nouveau numéro, et lui c'est homme avec grande H, Constant Bala de Washington, Zamba Mibali, bien Zikomira de Genève, mon perso, papa Nelvira, international Yeo, et aujourd'hui je vous amène un sujet qui fait couler d'encre et des salives sur toute l'étendue de la planète, la démission de Moïse Katumbi Chapwe au sein de la majorité présidentielle, et il a aussi démissionné de ses fonctions du gouverneur de la ville province du Katanga. Et Kane, maman Henriette Fouambaemba, vraiment aponingai. Et Ngapé, j'ai été sélectionné pour parler de Moïse Katumbi. Et bientôt, Dieu voulant, vous verrez vraiment maman internationale dans la magie. Nous avons Moïse Katumbi, tchapou, pour nous avoir vraiment tous les grands. C'est quoi les amis de Moïse Katumbi? Et là, je vois l'inévitable Papi Kabemba, Papi Kamele. C'est une association qui a des jours en France. C'est un groupe de Congolais qui réfléchissent à leur hauteur, qui se sont concertés et ont jugé bon de faire un éveil à Moïse Katumbi Chapwe. Lui disant, Moïse, écoute, vous êtes un précurseur. Qui du précurseur ne s'étions jamais dans la foule. Un précurseur s'est toujours tenu devant la foule. Vous êtes un Congolais et partant de vos concrétisations, nous avons vu tout ce dont vous avez réalisé en un laps de temps au Katanga. Et à combler pour cette raison, si nous vous accordons un temps convenable, vous pourrez concrétiser sur toutes les tendues de la RDC. Et voilà, Moïse Katumbi Kande Azana, vraiment un petit peuple qui a toujours prêté l'oreille aux cris des Congolais. Il les a prêtés son attention à Yoki Bango et voilà, il a démissionné. Dans le banan, on tout ce nom aux vidéos Oyo. Il y a Moïse Katumbi Chapwe, son interview qu'il a eu récemment sur TV5 Monde, et l'on se retrouve juste après. On en vient à ce nouveau séisme sur la scène politique en RDC. Après le coup de gueule des frondeurs du G7, Moïse Katumbi démissionne du parti au pouvoir. Le gouverneur du Katanga l'annonçait hier soir sur son compte Twitter. Vous êtes en ligne avec nous depuis Lubumbashi. Moïse Katumbi, bonsoir. Pour quelles raisons quittez-vous le parti de Joseph Kabila? Bonsoir. J'ai décidé de quitter le PPRD. J'avais mes raisons que je mis sur mon compte Twitter. Donc, j'ai décidé de quitter le Parti du Peuple parce que je voulais sauvegarder la démocratie dans notre pays, parce que c'est une jeune démocratie, parce que nous tous, nous avons l'obligation de renforcer cette jeune démocratie. Vous soupçonnez le président Kabila de chercher à modifier la Constitution pour se maintenir au pouvoir? Non, pas du tout. Ce que je dis pour le moment, si j'étais entré dans le parti, c'était pour qu'on puisse respecter la Constitution. Et ce qu'on est en train de voir ces derniers jours, par exemple, la nomination de commissaires spéciaux, ce n'est pas dans notre Constitution. Nous sommes en train d'énerver notre Constitution. Et nous sommes en train d'aller tout droit au glissement et un jour on nous dira que le glissement est constitutionnel. Donc, en tant que démocrate, je me suis dit, je ne vais pas me taire, parce que ce n'est pas la première fois. Ça fait plus ou moins 3 ans que je suis en train de partager avec mes frères du PPRD. J'ai partagé avec eux et j'ai toujours eu ma position de dire, nous devons respecter la Constitution, elle est sacrée, c'est une jeune démocratie. Alors aujourd'hui, l'opposition congolaise salue votre départ du PPRD. Est-ce que vous avez l'intention de rejoindre un autre parti, l'UDPS, le MLC ou encore le G7, ce groupe de frondeurs qui a récemment quitté la majorité? Merci beaucoup pour la question. J'ai dit moi-même que j'allais prendre un petit repos. Je vais réfléchir, mais je serai disponible. Je serai à l'écoute de toute la population. Et donc, je vais et réfléchir sur mon avenir politique et je vais aussi être à côté de toutes les forces vives de la nation
pour me battre pour que nous puissions renforcer notre jeune démocratie et surtout lutter pour la liberté d'expression et aussi travailler avec la société civile, avec la majorité aussi présidentielle et aussi les gens de l'opposition, ainsi que le groupe de G7. Je vais travailler avec tout le peuple congolais. C'est une lutte, c'est notre lutte. Nous devons vraiment sauver cette jeune démocratie. Alors, votre démission, Moïse Katumbi, intervient à 14 mois de la présidentielle programmée pour novembre 2016. Serez-vous candidat pour ce scrutin? Vous savez, j'ai dit que j'allais prendre un petit repos parce que ma lutte, j'ai commencé ma lutte depuis très longtemps pour qu'on ne puisse pas déranger notre jeune démocratie. C'est pourquoi je vais prendre un petit repos. Nous devons d'abord aider le chef de l'État à bien terminer son mandat. Et c'est pourquoi je demande au peuple congolais, nous devons sauver les institutions, nous devons sauver notre jeune démocratie. Pour le moment, je vais prendre d'abord un petit repos. Merci pour cet entretien, Moïse Katumbi. Merci beaucoup, merci pour tout. Voilà, de retour sur ce plateau. Là, vous venez de suivre l'interview de Moïse Katumbi Tshakwe qu'il a eu récemment sur TV5 Monde. Et voilà, et tout est parti le 29 septembre dernier. Après mille et une réflexions, il s'est décidé d'écrire une lettre au gouvernement annonçant sa démission. À démissionner Naïe. Et je voulais juste m'adresser à tous ceux qui croient que c'est pour pérenniser le plan Touti ou le plan Touti au sein de la RDC. Ne trompez-vous, Moïse, c'est un Congolais en fils d'une de ces pays qui mérite notre soutien. Souvenez-vous de Moïse qui était un hébreu, mais qui fit hébergé, scolarisé, nourri par un Égyptien en la personne des pharaons. En dépit de tout, de toute cette fortune, Moïse avait un faible pour le peuple hébreu. Voilà pourquoi il s'opposait et s'élevait contre toute décision de malmener les hébreux. Et il portait même atteinte à tous les Égyptiens qui levaient leurs mains sur les hébreux. Il en est de même pour Moïse Katumbi Tshakwe. C'est bien bon, comme disent un bon nombre de gens, qui sont écrivains Joseph Kabila, serait en Rwandais ou aurait une nationalité douteuse, je ne sais pas moi, ben Moïse Katumbi c'est un Congolais. Bien que vraiment aux côtés de son excellent Joseph Kabila, il a toujours eu un faible pour les Congolais. Et chaque jour son temps, rappelez-vous que c'est écrit dans la Bible. Pourquoi vous voulez vivre dans ma préjugé, hein? Laissez-les faire. Babi monter, il en restera toujours quelque chose. Si c'est pour pérenniser les œuvres et le plan touti, au sein des RDC, ayez banane, ça va se savoir. Bou et la nini. Hein? Pourquoi ta conception n'abissou, ma imagination n'abissou, tout plus en forme mot où est vrai. Tout comme ils sont vraiment véridiques. Or, la réalité est autre. Quand il a pris sa décision, il était seul avec sa conscience. Il dit, bon, écoutez, je vais démissionner. Il est temps que je tourne du côté du peuple congolais. Nayo Kabango, mais pas les apostats. Voilà. Ayo qui les amis de Moïse Katumbi. Mais il s'est osa précurseur. Ah bien oui. Et puisque c'est un précurseur ne s'étient jamais dans la foule, plutôt devant la foule. Comme a fait Jeanne d'Arc, comme a fait Arnold de la Suisse. Voilà Moïse Katumbi qui a démissionné, a présenté lettre de démission à elle. Mais je vois mal qu'il y ait des Congolais qui s'élèvent pour dire que non, écoutez, c'est du théâtre de chez nous, Balzo Longwa, pour passer à Clic Morboyé, et il veut tromper la vigilance et tout, non. Nul ne peut pénétrer la pensée de l'autre pour savoir ce qu'il pense. Non. Étant qu'humains, nous sommes limités. Sachons accorder le bénéfice des doutes à tout un chacun. Ça ne nous coûtera rien. Ça ne nous coûtera rien. Toti Kamouise Katumbi. Batou nié aux vies et aussi de tous. Allez-vous postuler aux élections présidentielles? Oh, bien, écoute, je suis encore dans mes moments de réflexion.
je vous dirai plus tard. Mais c'est les amis de Moïse Katumbi qui le poussent à se présenter aux élections présidentielles 2016. Ils le disent que vous pouvez, parce que vouloir ce pouvoir, et avec votre volonté d'aider le peuple congolais, vous pourrez mieux faire si vous êtes à la tête de la RDC. Voilà pourquoi Banon va pour parler dans les amis de Moïse Katumbi. Voilà pourquoi il est encore dans ce moment de réflexion. Toti kako taxeye na ba tout le monde obso ba congolais dit aux alanango. Et zo sa nango bien té. Et zo profiter nango na et l'autre côté sur le moment 20 ka la mki ba nyu singa Moïse Katumbi. Yep ça au gagner ni. Soit peut au 20 ka la mki fingeté au s'éterne encore garder silence yep ça au perdre ni. Pourquoi ton lingaraka kabaye va soke non a ebi koloba avant d'ouvrir votre bouche, avant de dépenser votre salive, vous devez vous rendre compte que le propos que vous allez tenir valent mieux que votre silence. Si tel n'est pas le cas, en tout cas je vous conseille de vous taire, de vous réserver et vous allez bien. Les amis de Moïse Katumbi, c'est une association qui soutient Moïse Katumbi. Si vous voulez, tout le monde peut s'y adhérer. Si vous voulez vous y adhérer, vous devez par contre, ou cependant, vous conformer na les amis de Moïse Katumbi au ya France, na ba règlement d'ordre intérieur na bango, parce que c'est une association qui a une structure, ce sont des gens bien définis, bien déterminés, qui veulent atteindre un objectif. Et ça, c'est le sourire au s'adhérer, nous vous savez n'importe quoi, nous vous mettons le bon sourire de Nini à la manière des Congolais. Des bannissons, des antivalères, bannissons nos légèretés. C'est tout le monde qui va se lever, qui va se concerter en France, pour que ça s'apporte Moïse Katumbi, tout le monde va beaucoup encourager. Je pense qu'ils allaient mieux, sourire vraiment au s'adhérer quand on est dans le lobby, ou se conformer, quand on a un règlement, Oyo et où dans la France, parce que hiérarchie peut jouer un rôle très important dans ma campagne. Et voilà, en Afrique du Sud, notoriété Penda et Pesamili Maman International, alors les amis de Moïse Katumbi, et après en Afrique du Sud, notoriété Pesamili International, alors Penda Moïse Katumbi, et puis bientôt, Dieu voulait au monde, Penda dans tout le monde, dans ma casse Penda, il y a les amis de Moïse Katumbi, qui te plaît, au vite, dans le monde, dans le monde, dans Moïse Katumbi, tchapoué. Il faut pas piquer un grand mot, piquer un avou, mais tâcher les presses, mais pour ça, normalement, quand on est casé dans le sous-sac, là-bas, on n'a pas. Nous allons équiper dans notre tête. Donc, je dis, qui peut me diriger? Courage, non, on a savoir-faire, non. Les matchs sont à cours des grands, au hasard, cours des grands. Et là, vraiment, je vois Aziz Komir à des Genèves. Eh, bah oui, papa n'invira. Mon père, so, bah oui, c'est que bien. T'as la Porsche, qui est un modèle, Paul Moine. À ce qui c'est que bien. Eh, bah oui, Madeleine Toko. Motema ya Abraham Toko. Bon, bah, chers parents, il y a Isaac Divine et Tricia Delis na Faverdi. Ben, vous savez pourquoi ça se fait Faverdi à mon achat. Pour des grèves, nous avons l'élan, na timbi na encore que Faverdi a appena ya baleki. Et sans oublier l'étudiant le plus célèbre, Gabriel Toko, na famille Toko na Hollande, y'a bien un wana, babi Anatole Mayaoula, na Hollande, y'a un wana, babi Décembre de Hollande. Le conseiller principal de El Monde, Yo Yangwana, Bobby Fleur Bimbi à l'Essel, le père des chimons sud-africains, veut dire Paul Améron, si maté mon abondance sur Paris, Bobby Banadalas, chaque kakachama, autrement dit Kachito Cash, Bobby les questions de cash, Yo Dujete, Mouté Malusena la belle, autrement dit Fanny Touma, Kané Nalubaye, vraiment bientôt ma chère parent. Et ça a bon don dimanche de mon Kelly Kamouan, mon thème maman Yamasaka, puissance n'a rien à force. Yo Yamouana, Bobby Jean-Pierre Kibesi de Panama, mon Konza Tchatche, le petit Dieu. Yo Yamouana, Bobby Jean Bouscot, mon Kied de Loabasa. Yo Yamouana, Bobby Djibol Mala, monsieur le noir, le pied qui roule. Yo Yamouana, Bobby Blanchard et tous, l'enfant propre de l'Amérique, précisément de la Caroline du Nord. Yo Yamouana, Bobby Toussaint Moutangado, Bobby, le chef de l'immigration canadienne, Bobby Raoul Itono, le prince du diamant.
et vraiment Bobby Lilian Tumba dimanche là yo ya mona Bobby inalement lulu ba Julien Tikaya yo ya mona ba lobi zekakala là papa Nitan kala là yo ya mona ba lobi more ki on a monté ma chantelle lama na bella ya bino ya mona Bobby elle est chaque moment des frais de qui on a menti là il y a bino ya mona vraiment la bella Bobby est Francine ma tout mona. Le secrétaire général du mouvement de l'œuvre patriotique des Congo d'abord me confie. Yo Yangwana et Bobby Penda, maréchal Magui Mwanda. Yo Yangwana et Bobby Master Nanga Shugaming, la référence, Master International, Asie International, ou Asie International, je veux dire cours des grands, Bobby Pascal Bakou et son rival, Yo Yangwana, et Bobby mon pasteur Vincent Chitamba, mon torabe défi, Yo Yangwana, et Bobby Lochaka Eme, mon thème Nate Shangala Ilunga, ma parent Esmeralda Sea, Yabino Yangwana. Si vous avez aimé, dites merci à celui qui était derrière la caméra. Babinga Kaifre Chikabemba, Babi Mwana, Yachina Sakala, Maman Martelita Kabemba, Benda Balobi, restez branchés au programme des Mamans internationales et lancez-le au prochain numéro. Bye bye.